Ça y est, on y est. Dans quelques heures, le départ de l'édition 2023 du Marathon de Londres sera donné avec cette année les meilleurs marathoniens et marathoniennes de la planète. On va vous faire vivre ça de l'intérieur. Allez, c'est parti. Pour vous parler un peu plus de ce parcours du Marathon de Londres, est-ce qu'il est propice au record? Eh bien, les avis divergent. Une chose est sûre, on est très loin d'avoir un parcours technique. Alors certes, il y a quelques montées, il y a un départ aussi avec une énorme descente où il faut être très prudent. Mais la difficulté, selon moi, ne réside pas forcément dans le dénivelé, mais plutôt dans ces virages en épingle qui sont assez nombreux sur le Marathon de Londres. Néanmoins, le parcours est quand même propice à la performance. Est-ce qu'on aura un record du monde aujourd'hui? En tout cas, chez les hommes, c'est peu probable, mais chez les femmes, vu la densité, c'est parfaitement dans les possibilités. Je vous fais un petit point de course, on est à peu près à 10 km de l'arrivée pour les coureurs. Là je me dirige vers la finish line et c'est Kiptoon qui a mis la poudre d'escampette. Il a lancé une attaque, alors c'est le vainqueur du marathon de Valence, du dernier marathon de Valence, donc autant vous dire que c'est pas un inconnu. Il a explosé le peloton, il est parti en ligne droite tout seul. S'il tient, il reste encore 10 km, s'il tient, ça devrait finir sous les 2h03, probablement autour des 2h02.55. Chez les filles, la course elle est complètement dingue, c'est un groupe de 4, on est allé où il reste un mile à peu près à parcourir et c'est Cheptichir, la championne olympique qui est en tête. Stéphane Hassan, elle avait eu des crampes au 17e kilomètre, elle a lâché et elle est revenue dans les derniers kilomètres de course, elle est dans le groupe de tête, c'est complètement dingue. Dibaba est plus derrière, là franchement elles sont encore 4 à moins d'un mile de l'arrivée, ça va bagarrer sur la ligne, ça va bagarrer. Absolutely, I mean, that's how we were saying it. It looks as bad as the issue.
Et voilà, c'est ici que se termine l'édition 2023 du Marathon de Londres. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre cet événement parce qu'on a eu le droit à une édition exceptionnelle. On se retrouve maintenant dès lundi en podcast pour découvrir la version audio de notre reportage. Bon dimanche et à très vite.